Bonjour et bienvenue à tous sur votre chaîne de Congo Étoile, votre chaîne où nous partageons sur des sujets patriotiques et apolitiques, votre chaîne où nous parlons de marketing publicité, votre chaîne où nous parlons des faits sociaux en République démocratique du Congo et votre chaîne où nous partageons sur les actualités africaines. Nous sommes là une fois de plus avec vous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. En tout cas, nous vous disons merci, un grand, grand merci. Et à ceux qui nous suivent pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Étoile. Faites une large diffusion de nos vidéos, de nos messages, de tout ce que nous partageons, nos émissions. Mettez le pouce bleu à chaque fois que vous êtes là. Ça nous permet en fait d'atteindre un maximum d'Africains partout où ils sont. Une fois de plus, avec votre présentateur Roland Mimi Ngoy, je vous dis bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. En tout cas, partout où vous êtes, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important, très très intéressant, un message court, c'est au sujet de la dignité. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous vivons en Afrique, la souffrance que nous avons dans plusieurs pays africains, nous avons perdu la dignité. L'homme africain en général a perdu sa dignité. Nous acceptons de devenir des lèche-bottes de n'importe qui juste pour gagner un pain. Nous acceptons d'avoir honte de ce que nous faisons comme travail, de comment on gagne notre argent à la sueur de notre front, juste pour paraître mieux devant les autres. Je cache mon travail, je cache comment je gagne mon argent et je fais semblant pour que les autres me prennent à un statut social ou à un niveau élevé. C'est une perte de dignité. La dignité, dans sa définition, c'est la gravité noble. C'est ce qui inspire la considération. La dignité, en fait, commande le respect. On ne doit pas t'utiliser comme un moyen. Tu dois commander le respect, inspirer la considération. Tu dois t'imposer. Que tu sois cordonnier, maçon, que tu sois plongeur comme moi de temps à autre, que tu sois femme de ménage, ministre, président, député, parlementaire, que tu sois chauffeur de taxi, motard, peu importe le travail que tu fais, même lorsque tu es chômeur, tu dois demeurer digne. La dignité commande le respect. On doit te respecter. Il doit y avoir échange de respect mutuel. Ce n'est pas parce que celui qui est en face de vous gagne quand même assez plus que vous, que vous devez à chaque fois accepter ses bêtises, que vous devez à chaque fois vous agenouiller devant cette personne. Ce n'est pas parce que c'est la personne qui vous a engagé, vous l'appelez patron, vous l'appelez boss, vous l'appelez chef, qu'il doit faire n'importe quoi sur vous. Et il y a de ces parents que je vois qui acceptent n'importe quoi et leurs enfants voient. Ça fait mal au cœur. Où est le respect? Vous devez imposer le respect dans votre milieu. Vous devez être digne, être fier de ce que vous faites comme travail. Vous devez en parler, vous devez partager. Vous êtes à une réunion des familles, il y a un qui dit « je suis directeur de je ne sais pas moi quoi » et toi tu dis « non, moi je travaille à la réception de Y entreprise » et l'autre vient dit « bon, moi je balaye les rues et je gagne mon argent comme ceci, comme cela ». On s'en fout. Chacun fait son travail et aimez ce que vous êtes en train de faire, soyez digne. Au fur et à mesure que le monde évolue, battez-vous aussi pour évoluer. Il y a un an, vous étiez cordonnier au coin de la rue, juste avec votre table. Un an après, ayez votre petite maison. Avancez, évoluez, progressez. Cherchez constamment les progrès. Cherchez constamment à avancer. N'ayez jamais honte de vous. Ne laissez personne vous manipuler, vous marcher dessus. Vous manquez de respect parce que vous gagnez moins que lui, parce que dans la hiérarchie de l'entreprise, vous êtes assujetti à cette personne. Ne laissez jamais ça. Gardez votre dignité. Ne vendez pas vos valeurs pour 1 000 euros. Ne vendez pas votre personnalité pour des miettes. Ne soyez pas des lèche-bottes. Surtout en politique et en République démocratique du Congo. Les jeunes, n'utilisez pas votre cerveau, n'utilisez pas votre intelligence au profit des malfaiteurs, au profit de n'importe qui, juste pour gagner des miettes. Faites attention et partagez massivement ces messages autour de vous. Je vous dis bon après-midi, bonsoir, bonjour. C'était bel et bien Roland Mimi Ngoy avec vous sur votre chaîne de Congo Étoile TV. Ciao!